Salut à tous, aujourd'hui on va faire un tuto pour comment se triturer les baloches. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc on se retrouve à l'aéroport, on vous propose aujourd'hui un petit vlog, suivre nos aventures. Donc où est-ce qu'on va, Pimous? On va à Arcachon. Donc Arcachon, pour ceux qui suivent le Fit Game, vous savez qui se trouve là-bas. Ah, on va aller le retrouver. On peut spoil, je pense qu'on va l'appeler même. Bien sûr. Là, il doit être réveillé. À ce qui paraît, il s'entraîne très tôt le matin. On va vérifier. Si le doute est permis ou pas. Souvenez-vous, on l'avait appelé pour lui demander des stéroïdes. Il nous en a pas proposé. Je pense pas qu'il va répondre. T'abuses, frérot. Là, il y a un attends, sur ses stories Instagram, il met toujours « Je me lève à 6h, je m'entraîne. » C'est vrai. Bienvenue. Allez, il fait Dahak, hein, ça, bon. On va répondre. Nous, on va prendre l'avion. On espère qu'il va être présent. Parce qu'on le rappellera à l'atterrissage. Ça coûte cher tout ça. C'est vrai, on l'appellera à l'atterrissage. On a récupéré le Airbnb. Déjà, on arrive à l'aéroport. Je vais enlever le masque, c'est dégueulasse. Il a dit ça comme si c'était à nous l'Airbnb. Non, on a récupéré. Juste, on arrive à l'aéroport. On devait prendre un bus qui devait durer une heure. Et finalement, le mec du Airbnb, Pascal, merci Pascal, il est venu nous chercher. Donc là, on a directement pu poser nos bagages dans le Airbnb alors qu'on devait l'avoir pour 17h. Là, ça. Il va faire le petit ménage, il prend soin de nous, franchement. On va lui mettre une bonne note. Merci, hein. on lui mettra une bonne note sur Airbnb. Et le logement, on vous mettra l'adresse en description. C'est pas parce par là. Que, hein. Franchement, c'est un bijou. Si, arrête. Non, arrête. C'est de l'autre côté. Il nous a expliqué pendant une demi-heure, c'est par là. Jure. Il y a tournage. Non, t'as raison. Voilà, t'as raison. Il nous a dit dans le groupe, de toute façon, il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre en orientation. J'ai dit, faut pas que je le suive. J'ai même pas écouté, oui. Donc là, on est bien arrivé. Pour l'instant, ça ressemble à rien. C'est calme, mais le logement, il est magnifique. Tu le sens que t'es dans le sud quand même. Il est content. Là, je vais faire du bien. En général, les mecs du sud, ils sont musclés. Pourquoi? Il y a le soleil, ils vont à la mer. Donc eux, faut qu'ils soient bien pour l'été. Nous, dans le nord, on s'en fout en vrai. On a besoin d'être bien que 2 mois par an. Voilà, c'est ça. C'est le nord. Donc là, on va faire les courses. Pimous, il a prévu de vous faire une vidéo. Allez, écoutez-le pas. Écoutez-le même pas. Si, tu veux faire. De toute façon, il faut le bloquer, lui. Il veut faire une vidéo 10 000 calories challenge pendant ce petit voyage. Allô. Donc, je vais l'engraisser parce que je vois qu'il a pris trop le niveau là. Donc on va l'engraisser. Ça ment. 10 000 calories challenge, pourquoi? Parce que 10 000 abonnés, exactement. Ils arrivent bientôt. Je suis d'accord. Donc on se retrouve aux courses, on va faire ça propre, on mange toujours propre, on est en pleine semaine. Propre, on va faire des pâtes au Kinder Bueno, on va se mettre bien. Allez. On va aller l'emmerder un petit peu. Ça va être très bien. Je vais pas le laisser tranquille très longtemps, il va devoir me supporter 2 jours. On vient vérifier si les stéroïdes ça rétrécit le sexe. Hop là, tu as rien, désolé. Tu vas où? Tu fais quoi? On peut vérifier ou pas? J'anime pas la vidéo, moi tu la mettras pas en vidéo. Mais t'as pas besoin d'animer, hein. On veut juste voir ton sgeg, on a pas besoin que tu parles. Voir ok, d'accord. C'est ça que vous voulez. On vient de prendre le bus direction Bordeaux, palais de justice. Dis-leur où on s'entraîne nous ce soir. Comment ça, palais de justice? Palais de justice, tu vas aller en prison avec Marvel. C'est fini. Non, on va dis-leur où on s'entraîne nous là. Giga Arena, les gars. Je connais pas en vrai, mais à ce qui paraît c'est lourd. Tu vas connaître, t'inquiète. On va voir. Bon, on est arrivé à Bordeaux, ça va. Il n'y a pas eu de galère finalement. On va pas faire les courses tout de suite. On les fera après, là on va trouver un moyen de manger. Donc, histoire de se nourrir. Là on cherche un KFC ou un McDonald's. Pas te faire foutre. Là on va essayer de trouver un truc de jet parce que derrière on a la séance. On va aller s'entraîner à Giga Arena. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la salle de Rafael Cuesta. Et normalement. On a eu Maître Cal, il nous envoie un message comme ça, je sais pas pourquoi. Et il nous a dit, ouais, attention, là-bas, c'est une salle de dopé. Donc on va aller voir ça sur place. Il y a des chances qu'on le trouve là-bas. Et on a une grosse vidéo à faire là-bas, on vous en parlera après. Là. Salade César avec du poulet. Vous savez, il y a du poubeau aussi dedans. Voilà ce qu'il prend cet animal. Il prend de la salade. C'est avec ça que tu fais des gains. Regarde tout ce qu'il y a. Et j'ai ramené déjà une coupelle de pain. Elle est énorme. Moi, je suis un peu arabe, j'ai pris une côtelette d'agneau. C'est halal, là, les gars. Et il n'y a pas de féculent, du coup, on va se taper du pain. Du poulet halal. Mais franchement, sa salade. Et ça, c'est des oignons halal. C'est moi qui les ai égorgés. Voilà, on est rentré. On a fait les courses. Mais l'appart aussi, là. Ouais, je fais pipi, j'arrive. Bon, je vous fais visiter l'appart en attendant. On l'a déjà vu, nous. C'est petit, mais c'est bien aménagé. Franchement, là, ici, on a le petit salon. Donc là, ici, on va être bien pour faire des vidéos, je pense. Didio Plaza. Ce soir, tu dors avec moi à faire des. Attends. Il y a quoi comme vidéo qu'on doit faire? Là, on doit faire trop de trucs, j'ai déjà tout oublié là. Allez, réfléchis. On doit faire le 10 000 calories challenge. C'est vrai, c'est chaud. Je rigole, arrête. Je commande, j'appelle Hubert. Non, j'arrive.
La petite cuisine équipée, donc on a acheté toutes les courses pour pouvoir manger pas, pour pas trop cher. Donc on va vous montrer comment manger pas trop cher en vacances. Ici, ma chambre, là je vais être bien. Petit bureau pour poser l'ordinateur. La petite bibliothèque, et là on a la chambre de Pimousse. Là il va être bien. On va voir mon chibre, je vais être traité. Il va être très bien. Tu fais le mec, mais regarde. Il y a même une machine à laver, gros, si tu veux faire le ménage. Ça va se passer. Ce soir, tu vas venir t'allonger à côté de toi. Allez, allez, regarde le mec dangereux. Allez, le mec dangereux, attention à ce que tu dis. Basta, mais... s'il serait là, il t'aurait caressé tout. Le mec de l'Airbnb, il nous dit vous tormadez, tu vois, mais il y avait l'air. On est cousins. Hésité. Eh, franchement, c'est propre. Donc, le petit étage, regardez, je vous pose là. Vous avez une belle vue. Eh Bastos, il serait là toute la nuit, t'aurais fait des Eh oh, il t'aurait touché comme ça. Ah ouais, Bastos, on vous l'a pas dit, mais il pouvait pas venir. S'il est pas là, c'est pas qu'il y a un drame. Ouais, en plus, Bastos, il a sa propre chaîne, donc allez voir son contenu si vous l'avez pas encore vu. Il reviendra de temps en temps sur la chaîne, mais là, aujourd'hui, c'est FF. Exactement. Il y a des 5 trucs, machallah, on est délire. J'enlève un. Je commence à montrer que les produits sont efficaces. Allez, c'est parti, ça commence. Bon, on va aller déballer surtout. Je vais déballer mes couilles, j'arrive. Les courses, et ensuite on va se poser, on va se reposer un peu parce que derrière on a une grosse séance à la salle. Oui, oui. Voilà, on a mis ta porte au dos maintenant, tu vois, monsieur. Franchement, il est propre. Là, ta porte aussi. Bon, déjà. Alors, on est arrivé midi. On a mangé au resto, on voulait pas se casser la tête. On a eu l'avion et tout. Donc là, on se prend pas la tête. Salade César et toi. Salade César, il a fait propre et ratatouille et côte d'agneau. Donc pas trop de fêtures, de soir on va pouvoir charger. On va faire dans l'ordre. Ouais. Un petit révélateur, j'aime bien. On va faire dans l'ordre. Ce soir au menu. Ce soir au menu, on a du poulet avec oignon et des épices. On sait pas trop ce que c'est. Voilà, on verra bien. 200 g de blanc de dinde pour chacun. C'est ça. Pour ce soir. Petit pois carottes. Petit pois carottes. Donc là, on a 200 g aussi. Chacun aussi. Deux petits pois carottes. Et le riz. Et le riz, donc le riz on va s'en servir aujourd'hui et demain. Ouais, c'est des sachets de 200 grammes, donc cuit ça fait 300 grammes chacun. Ah, demain matin on a les œufs. Si vous faites de la muscu les gars, ça c'est 5 chacun. Parfait, 5 chacun. Je crois que je vais garder tous les jaunes. Là la collation de 16 heures, on a oublié. Moi j'ai pris de la poudre, mais Pimousse non, du coup il va taper du blanc de dinde dans du pain. Yes. Un sandwich, c'est suffisant, vous avez les glucides, les protéines. Moi ce que j'ai invité les gens à faire, tu n'y as pas pensé c'est sûr. C'est quoi? Un œuf ici. Prenez les œufs les moins chers de tous, la boîte la moins chère. Vous allez prendre des plus chers. Allez. Et vous interchangez les œufs et vous passez en caisse. Tu mets les chers dans les pas chers? Ouais, je l'ai déjà fait. Ouais. Plusieurs fois. Je connais un mec qui fait ça avec le fromage. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, je te le dis. Non, mais c'est... Les œufs à 4 euros, à 1 euro. Mmh. Non, mais tu fais vraiment? Bon, là, je l'ai déjà fait 3-4 fois. Ah, je pensais que t'es spitié, c'est dans un film. Non, ça. Je l'ai déjà fait. Bon, allez voir Le ciel des oiseaux et ta mère pour ceux qui l'ont pas encore vu. C'est dans un film avec Jamel Debbouze. Bah, j'ai déjà fait. C'est tout le combien. Tu mets le cher dans le pas cher et ça devient pas cher. Tu prends les moins chers. Tu vois? Tu prends les moins chers. Hein? Tu prends les plus chers. Comme ça. Tu mets les moins chers. Non, les plus chers, ça te fait du camembert. Oh, cher. Et tu ranges à la maison. Donc, ça, au matin, on a les œufs. Pamplemousse, à moi, voilà, c'est à moi. Ça, c'est un excellent voleur de graisse, hein, ceux qui font attention à la ligne. Ouais, c'est vrai que l'ambité est relique. Voleur de graisse naturel. Oui. Avec les œufs, du roubs, les féculents, le roubs. Je vous ai dit, c'est un arabe, c'est un kabyle, il me croit pas. Les bananes, c'est pour la collation, donc à 16h aujourd'hui et à 16h demain avec le shaker. Attends, tu m'as dit à 16h, on va manger un sandwich plus des bananes, frère. Non, toi, tu vas, t'auras tes glucides dans ton pain. Mais moi, je prends pas de pain, je prends un shaker, donc j'aurai mes bananes. Demain midi. Demain midi, ça va être les tomates frites. Elles sont là, 1 kg, 200 grammes de tomates. 5 euros? Franchement, pas cher, bien. 5 euros. Ouais, je vous ai dit, c'est des courses pas chères, mais la viande, c'est toujours cher, les gars. Après, si vous voulez faire un peu plus attention, acheter du thon, acheter des œufs, c'est moins cher. Mais là, on est là 2 jours, on va bien manger avec ça. Un peu aussi. Hein. Et c'est toujours accompagné de riz. Et au soir, on fait le même repas que ce soir. Exactement. Voilà, les gars. Qu'est-ce que je vois? C'est quoi comme shaker? C'est quoi cette marque? Je veux du muscle. C'est quoi cette marque? Je veux du muscle. Bien sûr. Vous connaissez du QNT? Je veux du muscle. Chitaras. Voilà, code QNT. QNT, code fitness fusion, 20%. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Regardez-moi cet animal. On vient de manger, on sort du restaurant. Du pain et de la dinde. On nous dit c'est pour 16h, il est quelle heure? Non, du mot pas, il est 16h. On y est dans les temps, tous les 3h. Mangez tous les 3h. Moi, vous êtes sûr de ne pas cataboliser. Attention, tapez pas du riz et du blanc d'Inde tous les 3 heures. Hein. Stéroïdes, ne l'écoutez pas. J'aime bien sa petite déco là. Ouais, franchement, ils ont du goût. Hein. Je vous mettrai l'adresse,
Le lien de l'Airbnb, on a même un lave-vaisselle, une machine à laver. Albino, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Pour une femme, pour une femme misogyne. Tu sais qu'on a des femmes qui nous regardent. On a des filles. D'ailleurs, la place de la femme, c'est à la cuisine. On vous oubliera pas, hein, les filles. FF, on vous l'a dit, c'est aussi femme forte. Donc force et fun. Et quand il y aura des t-shirts, on mettra femme forte pour vous. Et n'hésitez pas à vous manifester aussi en commentaire, parce qu'on ne peut pas savoir si vous êtes nombreuses ou pas. Pourquoi tu fermes la clé? Et faire des choses. On leur a dit qu'on allait voir Maître Calme ou quoi? Non. On leur a pas le droit? Non, on leur dit pas maintenant. Ah, on va voir Maître Calme. Non. Ça, oui, coupe au montage. Bah, moi, je vais voir Maître Calme et Albino, il reste ici. Moi, je coupe au montage. Ah, bah, je fais le montage, les gars. Si c'est une bête de vidéo, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Si elle est bof, bof, c'est que c'est Pimousse. Ce qu'il faut pas entendre ici. Pimousse, réflexe. Ah. T'en fais combien? Non. 4, c'est mon record. Mais à 5, il y a l'appareil photo qui tombe. Stop, stop. On se pose. On se repose. On fait pas la vidéo moi, maintenant. On fait la vidéo d'abord, on se repose un peu. Mais on fait la vidéo, moi, c'est fait. On se repose et après. Bon, s'il n'y a pas de vidéo autre que celle-ci pendant notre voyage à Arcachon, c'est parce que. Puis Mousse, il m'aura dit à 19h oh, flemme, viens, on va à la salle. Je parle pas avec lui. Parle pas avec vous. Une force en plus. Voilà, c'est pas bien. Attends. Viens faire des vidéos. C'est chaud, on leur explique pourquoi on était absent sur YouTube. Pendant 3 semaines. Non, mais je leur dis la vérité ou pas? C'est à cause des juifs et des arabes. Toi, tu veux des problèmes. En fait, on a décidé de se lancer dans la musique, les gars. C'est fini le sport. On a toujours été des artistes. On pensait être des athlètes, mais on est des artistes en fait. Artiste de rien du tout, frère. Tu fais pas de la musique? Toi, tu vas faire de la trompette avec tes fesses, non? C'est sûr que t'as tes fesses, t'en fais pas. Pimousse. Pourquoi t'as pas publié de vidéo là ces deux dernières semaines? J'avais pas de contenu à publier, j'avais rien sous le bras. Sur Pimousse ou sur FF? Sur les deux. Ouais, mais tu t'es rien pas, et tu t'es pas dit, ouais, bah faut que tu publies une vidéo parce qu'il y a des abonnés qui attendent. Ouais, un gros manque de motivation, les programmes en plus en création. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi, les gars, qui nous prend beaucoup de temps. On est en train de faire les programmes pour le site internet. Donc il y aura de tout et il y aura des choses vraiment pas mal. On a, comme d'habitude, on essaie de se différencier de tout ce qui existe déjà dans le feed game. Et je pense que ce qu'on vous prépare là, ça va vraiment vous intéresser. Donc les programmes, puis on avait beaucoup bossé aussi sur FF. Et depuis mars, on est actif sur la chaîne pour la faire monter. On s'était fixé les 10K pour quand? Décembre. Pour décembre, on est en octobre les gars. Là, même si on s'arrête de publier, les 10K tout doucement ils vont se faire. Donc on a pris 2 semaines de vacances, mais on revient avec du lourd les gars. Tu sens? Il faut pas se mettre. Faut jamais se mettre derrière lui, devant lui. Trop dangereux. Non, non, non. Si, ah, Valorant? Ouais, c'est ça. Ça sent fort le bloc de 40 minutes. Ça sent le contenu aussi. 40 minutes, moi je te conseille de faire 2 épisodes. Ouais, c'est possible. On va dire l'épisode 1, bah c'est aujourd'hui, l'épisode 2 c'est avec Maître Cal. Toi tu vas me rendre fou avec ta vapoteuse, hein, je le sens. Je te le dis, tu vas me faire péter un câble, je le vois. Non, du coup, on était en train de dire, t'étais en train de dire que t'étais fier de ce que t'étais en train de faire sur Fitness Fusion. Et après, t'avais dit quoi? T'avais dit, ouais, merci de nous suivre, tous ceux qui sont là en train de nous regarder. C'est grâce à vous, c'est ça qu'on doit dire. Genre là, tu bosses, là. Là, t'es au travail. Là, je travaille. Moi aussi, je travaille. Travaille bien, toi. Bah si, je suis en train de faire du contenu, là. Non. Non, mais on apprend encore le métier, les gars, mais normalement, c'est ça. Là, je suis en train de tourner une vidéo. Là, je travaille. Ah, mais en vrai, elle est belle, la vie du cuveur. Bon, en tout cas, les gars, merci de nous suivre. Si on en est là, c'est grâce aussi à vous. On vise. Là, on va tout doucement arriver au 10K. Et derrière, vous le savez, c'est les 100K qui nous attendent. On va tout faire pour y arriver. Donc, partagez la chaîne si vous aimez notre contenu. On va continuer de faire vous. Très lourd sur Fitness Fusion, des choses que vous n'avez jamais vues. Et puis Mousse, il veut pas parler à la caméra. Frère, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est toi qui dois pas lancer, fini maintenant. Non, en fait, j'ai envie de vous faire comprendre que on est content de ce qu'on a fait sur Fitness Fusion, mais c'est loin d'être fini. On a tellement de choses, qu'on a envie de faire sur la chaîne et qui vont se réaliser. Il faut juste un peu de temps. On essaie d'apporter de la nouveauté dans le feed game. Vous l'avez vu, on a créé Duel de Testostérone, par exemple. C'est un programme, on est fiers. Le QVPDM, on va essayer de faire passer Maître Cal là-dessus. Donc si la vidéo n'est pas encore sortie, restez branchés, activez la cloche. Maître Cal, on va lui faire perdre du muscle.
et il y a encore deux autres jeux dans ce style qui vont être lancés sur la chaîne. Et par la suite, à partir du moment où on sera bien installé sur YouTube, bah, des épisodes de, dans ce style, vous en aurez plein d'autres. Bon, vas-y, parce que moi, je peux parler toute la nuit avec eux. C'est pour ça que je t'écoute. Allez, c'est bon, vas-y, voilà. C'était Fitness Fusion, vous étiez en présence de l'AFF, force et fun! Toi ce soir tu dors pas. Là, je m'amère la p***, tu dors avant 2h du mat. La bagarre! Moi je vais dormir ce soir. Toi tu vas à 2h du mat. Ça te fera des sous, bien gros. Oublie pas que Maître Karl, on le voit demain à 8h. Allez, c'est parti, la bagarre. Allez, bonbon, c'est pas à nous. Je vais les haou quand même demain. Allez! On se demande quel produit il prend pour rester sec. Il a... Du clambutrénol, c'est du clambutrénol. Il répond toujours pas. Attends, Bon, en attendant que Maître Cal réponde au téléphone, parce que oui, c'est Maître Cal que nous allons voir. Premier fit avec celui qui est exclu du fit game. Nous, on lui tend la main. On commence à rentrer dans le fit game, on tend des perches comme ça. Je vais t'entendre une belle de perche. Je dors pas avec ce soir. Je vous dis, je ne dors pas avec. Trop dangereux. Famille, pas famille, les ch'tis, on les connaît. Hein. Je parle même pas avec toi, tu vois, c'est ça ton problème. Bon, en attendant, petit shaker QNT, on vous a déjà fait la pub, on recommence. Moins 20% sur, sur QNT avec le code Fitness Fusion. Putain, je dis ça et je me sers de la ISO Way 0. Bon, j'étais pas sponsor avant. Ouais, mais il ment sur sa photo, regarde. Ah, il ment. On va lui dire qu'il ment. Là, je vous explique, on part voir Maître Cal pour lui demander s'il ment. S'il ment ou pas. Que souffrance à 300%. Et on lui répond avec un filtre bizarre. Filtre de ZML comme non, ça. Non, il va dire cela, je ne les reçois pas. Bon, il va toujours pas. On va attendre. Bon, les gars, on a pris un bus, on s'est encore trompé de ligne, du coup, on a eu marre. Pimous a fait péter l'Uber. Ouais, j'ai pris un Uber, comme ça au moins c'est réglé. Voilà. Merci à Pimous TV. Non, tu vois. Ça, c'est le gambling, non? Ça rentre dans le. Il invite. Parce que les dons sur YouTube. Là, on vient de tourner une vidéo avec Maître Cal en visio sur Insta et on n'a pas filmé, les gars. Pendant 2 heures, on lui a parlé. Et il y avait des infos, hein, il y avait des infos croustillantes. Bon, on n'a pas la vidéo, on va vous en sortir deux quand même. Deux qui t'ont marqué, deux infos marquantes de la discussion avec Marvel. Deux infos qui m'ont. Non, avec Marvel, c'est compliqué. Avec Maître Cal. Parce que je sens qu'il va aller en prison bientôt, Maître Cal. Il va le rejoindre. Il va beaucoup trop loin dans ses propos. Croustillant. Combien il a eu avec le Spartial Gym ouais, il nous a dit qu'il touchait ah ouais non les dons incroyable ouais combien il aurait récolté de dons c'est sa salle il l'a financé en partie grâce aux dons de ses Spartiates il avait récolté à l'époque 25 000 euros. Et une autre info et une autre je dirais ah qu'il est naturel à 300%. Ouais c'est vrai on va vérifier on le voit demain ça va de face comme ça non ça va pas si on nous voit 2 SDF ouais. De bon. SDF. Les gars, je pars. Jusqu'à Giga Arena, on a fait la route. Non, hein. Je veux dire un truc, que je partais avec Bastia sous Pimous, c'est la merde. C'est vrai que c'est la merde. C'est la merde. C'est vraiment la poisse, c'est un truc de ouf. Hein. On a vraiment pas eu de chance, on est arrivé jusque Giga Arena, fermé. Voilà. Giga Arena, je vous explique, c'est la meilleure salle que j'ai jamais vue. Ouais. Et on a fait Giga Gym, on a fait Maison Alfort. On a fait Maison Alfort. Non, je préfère Maison Alfort. Ah, Maison Alfort, c'est non, mais c'est plus petit, tu vois. Là, c'est vraiment dans un hangar, c'est énorme. Tu rentres dedans, tu te sens écrasé. On dirait que t'es aux États-Unis. Ah ouais, les plafonds, ils font quoi? Il y avait 4 mètres. Ils vont encore dire jamais ça. Mais là, plus haut que ça. 5-6 mètres. Moi, je suis marseillais. C'est dans un hangar. Du coup, ça a vraiment de la gueule. Que du Hammer, que il y avait quoi? Technogym. Hammer, Panata, Technogym. Incroyable. C'est fermé par rapport au Covid, mais le mec il fait blocus. Non, on doit pas les bruiter, gros, c'est mort, faut pas qu'on le mette dans la merde. Ouais, mais elle va non, faire faut pas le mettre dans la merde, gros. Bref, on a pu rentrer, on a pu s'entraîner, mais on n'a pas pu faire la séance en entière une parce que. Demi-heure. Voilà, au bout d'une demi-heure, fallait fermer. Et interdiction de filmer, les gars. Donc on a rien pu. En fait, on a rien pu faire. Aujourd'hui, on n'a pas pu filmer avec Maître Cal. On a juste vlogué, en fait. On n'a pas pu vlogger Arena, on devait faire une vidéo en plus. Voilà. Qui aurait figuré sur la chaîne. Tellement vide aujourd'hui que le titre de la vidéo, ça va être on achète du poulet à Lidl. Là, c'est incroyable ça. Réaction. Parce que ça, on vous l'a filmé, les gars. Ça, on vous le filme. Non, mais sinon, demain, on s'est bien organisé. Normalement, tout est carré. On a une salle à disposition. C'est Maître Cal qu'on va aller voir. Exactement. Donc, le Spartia Gym, c'est pour nous, les gars. On se retrouve dès qu'on a l'appartement pour le repas. Fais-moi une belle transition avec la main. Vas-y. Nous voir manger, tu crois? On va manger. Fais une transition avec la main.
fais de la hack, voilà, je fais de la hack. Bon les gars, on est rentré, c'est bon. Et monsieur qui fait la cuisine mange tout seul. Dis, il vous attend pas. Il m'attend pas. C'est un animal. Tu vas attendre que le riz après, tu penses que ça va faire. Il est bizarre, hein. Il va manger son riz après avoir mangé la viande et les petits pois carottes. Donc ça va les gars, vous voyez, ça reste toujours propre. Si on arrive à avoir un bon physique à l'année, c'est qu'on fait attention même quand on part comme ça en voyage. C'est bon, on a compris. J'aurais pas dû le laisser à la cuisine. J'ai pété, tu devrais pas rester loin. Tu vois, je dis ça parce que les gens ils pensent toujours qu'on on prend des produits. Ouais, j'en prends moi. Produits QNT. Dior, ton anniversaire, t'as mangé quoi? Un barbecue, j'ai mangé que de la viande. Voilà, donc les gars, même en vacances, sinon c'est trop facile si vous craquez trop souvent. Bon, après en vacances, on se fait plaisir, hein, les gars. Mais si vous partez souvent, si vous voyez souvent vos potes et vous craquez tout le temps dans la semaine, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de résultat. Quand on mange des trucs de merguez, on devient des merguez. Non, on va aller dormir, c'était pas une journée productive. Franchement, je suis dégoûté pour vous parce que c'est pour vous qu'on fait ce contenu. Mais demain, on va se rattraper. Le vlog, il sera beaucoup plus intéressant. Il y aura beaucoup plus de contenu intéressant. On va aller voir Maître Cal, on vous l'a dit. Donc demain, rendez-vous spartiate gym pour le vlog. Et on en fera aussi une vidéo motivation, training et posing. 3000 likes et on balaye Maître Cal. Avec Maître Cal. On va bien le taquiner demain, donc activez la cloche, la vidéo va sortir la semaine prochaine je pense. Et on va vraiment le taquiner, on veut vraiment savoir s'il se dope ou pas.